Les amis, c'était il y a un an qu'on a découvert l'île de la Réunion avec Flash Boy. Et je pense carrément que c'était un des plus beaux voyages de ma vie. Aujourd'hui, on part sur une île qui ressemble beaucoup à celle de la Réunion, mais carrément sur un autre hémisphère et dans des conditions climatiques qui n'ont rien à voir. À quelques kilomètres au sud du cercle polaire arctique, la séparation de deux continents a fait naître une île composée de 99% de lave. Et je vous laisse découvrir, en même temps que moi, dans cette vidéo, les paysages uniques que nous offre l'Islande. Je tiens à remercier infiniment Icelandair qui m'a permis de partir en Islande, moi et mes équipes, donc ça fait trop plaisir. En plus, Icelandair propose directement des vols pour l'Islande depuis plusieurs villes en France et en Europe. Et pour ceux qui, à la fin de la vidéo, ça peut vous intéresser peut-être d'aller en Islande, sachez que si vous comptez vous rendre en Amérique du Nord, vous pouvez faire une escale de 7 jours en Islande. Donc voilà, ça peut vous permettre de visiter l'Islande au passage et pour le même prix. Sachez que l'Islande, c'est un voyage dont on m'a beaucoup parlé et j'ai toujours eu envie d'y aller. Donc c'est parti, le seul problème, ça s'est pas passé exactement comme prévu. On vient d'atterrir, j'ai pas ma valise, mais j'ai encore ma bonne humeur et il y a un fast-food qui s'appelle Smash Burger et on va y aller. J'ai la haine, là je vous dis les gars, quelqu'un m'a volé ma valise. J'ai un caleçon pour 7 jours, je viens d'arriver en Islande, il y a la tempête, on voit même pas le ciel. C'est une horreur, il fait moins 10, mais on va manger, donc ça fait plaisir, c'est parti, allons déguster tout ça. Vous connaissez ma malédiction des valises, comme au voyage des croutons, j'ai perdu ma valise. Sauf que là j'ai pas perdu ma valise, on m'a volé ma valise. Donc comment vous dire que je vais devoir passer le voyage avec deux caleçons. Non je rigole, en vrai je vais aller en acheter quand même. Voilà à quoi ça ressemble, Smash Burger, ça ressemble à ça. On va faire une dégustation. Pourquoi tu cries frérot? Personne, c'est que c'est pas bon. Donc ça c'est Amélie et Léa. C'est les deux dames qui nous présentent l'Islande. Bon, en vrai elles ont notre âge quoi. Mais... Vous avez quel âge les filles? Ah mais attends, jeune, hein. Oh mais non, c'est non. Des bébés. Elles viennent d'être majeures. Ah oui, moi ça va. I want some burger with peanut butter. Tu connais? J'ai payé 14 000 là, ça équivaut à combien? 99 euros. Attends, je me remets dans le contexte. On a pris 4 burgers. Des burgers des... Non, c'est des burgers. Des burgers. Attends, on a pris 4 burgers, ça coûte 100 balles. Oh, tu m'as emmené dans quel bar? C'est pas moi, c'est toi. Mais c'est quoi ce pays là? 100 balles? Non mais attends, non le... Non là, franchement, je tombe des nues. Ce soir, je mange des pâtes. Le trip commence comme ça. C'est la belle publicité quoi. L'Islande arrive. Bon, j'ai perdu ma valise. Non là, c'est le début, on voit les mauvais côtés, mais c'est bien en soi l'Islande, non? Elles ont pas l'air convaincantes. Alors, bon appétit. Tu peux répéter ce que tu viens de dire avec la caméra? En gros, si tu demandes à un Islandais quel est le pire mois d'année, il va te dire février. Pour venir. Février. C'est toi qui as organisé le voyage. 100 euros les amis, donc on va goûter les frites, c'est parti. À ce prix là on a du ketchup Heinz, c'est le même qu'en France. Frites ketchup. Un autre trip. Je comprends mais 100 euros là. Non par contre ça les gars, les frites c'est un banger. Les amis on va goûter la boisson d'ici, le Apple Sain. Allô les saints. On peut pas rigoler à ça. Je rigole premier degré. Attends je goûte. Non mais gros, la boisson elle est excellente. La tête de homme, la boisson c'est un banger. Regardez-moi ça. Ça fait burger un peu à l'américaine. C'est parti. C'est sûr que ça goûte encore. Thomas, goûte orange. C'est un ouf, mais c'est réaction. Gros, je comprends les 100 balles là. On vient d'arriver, on nous annonce que demain il y a un ouragan. Ouais, super. Force à nous, du coup demain on est bloqué, on peut rien faire. Et on espère que ça va être bien quand même le voyage. Mais bon, ça commence pas très bien. Pas de valise, ouragan, franchement. Force à nous hein. Force à toi. Il sent bon ce voyage, il sent bon. Pour découvrir cette île, on va être toute la semaine dans des vannes. Donc on va découvrir nos camping-cars. On va habiter les amis. Ouais, c'est ça. Ouais, je m'attends, c'est énorme. Oh le bestial. On va équiper spécialement pour l'Islande. Snorkel. Mec, c'est un bus le machin gros. Les amis, on va être là pendant une semaine, on va vivre dans ça. Mais wesh. Bienvenue dans votre nouvelle gros, maison. C'est balèze. Attends, mais on va dormir dans ça en fait. On va dormir à deux là. Attention à ce que tu fais quand tu dors avec moi ce soir. Ah, y a pas de douche. Non, c'est mais vous allez dormir dans les campings tous les jours. Y a des douches. Ah, ok. De toute façon, j'ai pas de valise. Mais bâtard. C'est tout gris, y'a rien. Il fait moins 100, il fait moins 10. Là, je me dis, mais dans quel bourbier je suis là? Non, mais frérot, c'est quoi le plus important? C'est l'expérience. Ah oui, les mais là, là, j'ai plus ma valise, gros. Gros, t'es mal le plan, gros. Moi, on m'a montré des photos de l'Islande. Je mets ce plan où je vois sa tronche de cake là et je mets les trucs d'à côté. C'est pas du tout ça là. T'es sûr on est arrêté à la bonne destination? Putain, les gars! Les gars! Y'a de la neige! Y'a de la neige!
Putain, mais là, on vient d'arriver. Moi, on m'a dit, c'est, on va voir des aurores boréales. Là, la seule meuf qu'on va voir, c'est Aurore, la meuf de l'accueil de l'hôtel, les gars. Elle est là-bas, frérot. Là, on est tous au fond d'Islande. C'est la pire arrivée dans un pays que j'ai fait. On m'a pété ma valise. On arrive, il y a une tempête. Et frérot, on met les pieds dans la boue. J'ai l'impression que je suis à Saint-Nazaire. On vient d'arriver dans les chambres, les amis. Il y a une truite dans ma chambre. Non, mais c'est un prank là. Il y a une truite dans ma chambre. Que dire? On est où là? Que dire, frérot? On est où, les amis? Justement, là, c'est toute une mascarade pour qu'on se dise on est à Saint-Nazaire, on est en Bretagne. Mais à tout moment, je pense qu'on va être choqué. C'est obligé, on va être choqué. Je suis dans un resto islandais et regardez ce qu'il y a sur la carte. Comme vous le voyez ici, il y a du requin fermenté. Donc c'est typique de l'Islande. Donc vous connaissez votre gars, il va se faire le malin plaisir de goûter du requin fermenté. Je pense pas que c'est bon, mais on va faire cette dégustation tous ensemble. Non, c'est immangeable. Ça, c'est du requin fermenté. On dirait du fromage. T'es obligé de t'en tirer, mec. C'est la curiosité. Non, non. Non, non, non. Frérot, j'en ai quasiment des larmes aux yeux. Eh, vas-y, tu sais quoi, moi, je suis un homme, je tape dedans. Non, ok, ça, c'est du requin fermenté, les amis. Requin fermenté. C'est mort, faut y aller. Bon, bah, les gars. La C'est dégueulasse, ça mais enlevez-moi ça. Oh, j'ai le pire goût dans ma bouche. C'est infect. Oh, je crois que ça fait partie de mon top truc de dégueulasse que j'ai mangé ma vie. Faut la valer là. Oui. Ah bah oui. Allez. Tu m'as expliqué. Je vais vomir. Avale. Non, je vais vomir. T'as l'air bien là. La tête d'homme que j'ai vomi. Au moins ça, c'est fait. Défi réussi. Requin fermenté, manger, réussi. Oh, la tempête de Saint-Saint. Bon, comme on est bloqué à cause de la tempête du jour, on m'a dit qu'il y avait un musée pas mal. Mathieu m'a dit, viens, je t'emmène quelque part. Donc je le suis. Moi, je suis pas trop musée. Hein. T'es pas musée, mais les musées gore, toi, t'aimes bien. Ok. C'est ça le musée? Ouais, regarde ce qu'il écrit. Rich here. C'est un bourgeon? The Iceland Phallological. Oh, c'est les beats. C'est un musée de beats? Non, c'est pas vrai. Attends, il y a ça en Islande? Des mammifères. Non, c'est ça. Attends, viens, on y va alors. Wesh, la teub. Il écrit quoi sur ça? Viagra. Ah ouais. Oh, l'ambiance. Oh, il y a une sacrée ambiance ici. Oh putain. C'est quoi cette odeur? Oh, il y a des bites à manger? Oh, tu connais les trucs sur TikTok là, tu manges les bites? Non. Ok. Oui, je t'ai mal des tableaux de zizi. Les amis, c'est dans Dragon Ball Z, mais en mode bite. Oh, mais gros, en fait, c'est que des bites là. Ça me dégoûte. Il y a un truc pour toi, t'as touché là. C'est un arbre bite. Qui a eu l'idée de faire ce musée? Attends. Attends, je prends la carte. C'est bien tout ça, il faut la prendre. Non, mais c'est quoi ce nom? Ça, c'est une masterclass. C'est des monétisations. Je peux pas l'envoyer avec un timbre à quelqu'un. Gros, c'est pas des j'ai ça moi. Ah ouais? Il bande là. Ah, il bande là. Donc t'as ça. Quand tu trouves ton sgeg dans le musée. Ok, vas-y, moi je vais vous dire mon sgeg. Là les gars, genre sans mentir, je vais vous montrer mon sgeg. Le titre de la vidéo ce sera je vous montre mon sgeg. Les amis, il y a un musée, il y a toutes les tailles. Je vais vous montrer la mienne. Oh, c'est les bits de la team de. Mais non, c'est du fake. Non, je te crois pas. Attends, la team de handball d'Islande, les gars, ils ont mouillé leur zizi. Ils ont tous mis dedans. Ils ont des tapes bizarres. Et franchement, il y en a un, il est bien gaulé. Il y en a un, il est au-dessus, il est pas. Il y en a un, il est pas. Moi, je suis chaud, on fait ça avec vous. Et regarde. Mais tu vends groom en fait. Non, je rigole. Non, mais non, quoi? Il y a les zizi de tous les animaux. Oh, my God. Oh non, mais là, les amis, c'est le meilleur musée que j'ai jamais vu de ma vie. Regardez-moi ça. Il y a le zizi d'un mouflon. Et ça ressemble à ça. Ah, c'est un vrai. Le zizi d'un sika deer. C'est le serpent ou le zizi? C'est quoi ce sgeg? C'est quoi ça? Ah ouais. Mais attends, je connais celui-là les amis, c'est Bambi. Ça c'est le zizi de Bambi, voilà. On va essayer d'analyser d'autres zizi. Le zizi de cochon. Vous avez déjà vu un zizi d'un cochon? C'est ça. Mais gros. Inox frérot, combien tu bois ça là? Mais t'es malade. Frérot, t'es mal, son zizi déjà c'est une vipère son sgeg. Et les amis, le horse. Et ça, c'est son zizi. Mais bouéché de matraque télescopique là, à ce point là. T'es mal le zizi, gros c'est mon biceps.
Les dégâts. Gros, c'est mon biceps, gros. C'est l'arme de destruction massive. Oh, je me suis toujours demandé, les amis, quand j'étais en Afrique du Sud avec les croutons, je me suis demandé, ça ressemblait à quoi, zizi d'une girafe? Et bah, il est là. Il fait trois mains. Il fait trois fois. Mais non, mais c'est énorme. Si je mets ma tête à côté, histoire que vous vous rendez compte. Wow. T'es mal, le zizi de la girafe. Oh, il y a des zizi de rat. Bah alors, c'est comme ça. Oh, mais il est tout petit. C'est pas petit, hein. Comment ça, c'est pas petit? Bah, c'est pas petit, non? C'est mais normal. C'est petit, là, sans zizi. Mais non, c'est les gars, comment ça, mon gars? C'est la moyenne, hein. la moyenne en France, c'est ça, les gars. Comment ça, mon gars? Comment ça? Ça, c'est une lampe d'un magasin, là. C'est une Nyuku. Pourquoi on dirait Nyuku? Parce que c'est une Nyuku. C'est carrément une Nyuku. Carrément, dans ce musée, les amis, les lampes, c'est des couilles. La Nyuku, elle fait. Attends, mais wesh, la couille, elle fait battre. Je refuse de croire que ça, c'est le zizi d'un phoque. Mais gros, t'es mal. C'est le plus gros pour l'instant. Non, mais il est énorme. C'est le MVP. C'est MVP, gros. Ouais. Oh, enfin, le plus gros mammifère de la planète Terre. Bon, c'est toujours demandé, tous ceux qui regardent cette vidéo, à quoi ressemblait son pénis. C'est ça, hein. Il fait ta taille. Gros, il fait ma taille. Le zizi d'une baleine, les gars. 1m72. Voici le zizi d'une baleine. C'est éducatif. Voilà. Je vais dire les termes. C'est le meilleur musée que je suis jamais allé dans toute ma vie. Ça. C'est des vrais zizi. Si je touche, là, je pourrais dire dans ma vie que j'ai touché le zizi d'un orque. Vas-y, fais-le, frère. Alors franchement, à votre avis, à quoi ressemble le zizi d'un ours? Ça ressemble à ça. Mes amis, c'est clairement une allumette. J'ai juré dans Minecraft, tu mets une forme du bois, t'as des sticks. C'est la bite d'un ours polaire. Stick. Hey Flash. Ouais, dis-moi. Là, on est à la moitié de la visite. Et il y a un truc qui me trottine dans ma tête depuis le début de cette visite. Je mets 10 sur 10 à ce musée s'il y a une bite d'humain à la fin. Je pense que va y avoir. S'il n'y a pas de bite d'humain. Tu sors la tienne. Les amis, je viens de voir le zizi d'un éléphant. Et vous voulez le voir? Je vais vous le montrer. Oh oui. Ça, les amis, c'est le zizi d'un éléphant. T'es malade. Énorme. Mec, il a officiellement donné ses organes génitaux au musée, mec. Quoi? Il a donné ses testicules et son zizi au musée? Et elle est où? C'est ça? Il a donné son zizi au musée, les gars. Voilà, je vous fais des plans sur son zizi. Mais ça, c'est pas démonétisé, ça. C'est limite, limite, hein. C'est limite, quand même. Bah, mec, c'est un musée, c'est la culture, en fait. Bah, le musée est malheureusement terminé. C'était un banger. J'en ressors changé, j'ai appris tellement de choses. Il y a un anti-stress. Et franchement, les amis, depuis qu'on est arrivé en Islande, je suis putain de stressé. Vraiment, tu commences à être de plus en plus stressé. Allez, hop là. On a trouvé un porte-clé pour mesurer ton bail. Mais ouais. Les gars, vous êtes chauds, on fait tous une marque et on dit pas qui c'est qui fait la marque. Non. On met tous une marque sur le bail. Moi, je ne participe pas à ce jeu. J'ai pas envie d'être le dernier. Je vais l'acheter là pour le mettre sur mon porte-clé. C'est uniquement pour mon porte-clé. Ça, en vrai, c'était top le musée quand même. Eh les gars, on ressort du musée du phallus, mais on a perdu Inox là. Où est-ce qu'il est le poteau? Attends, je crois il est encore à l'intérieur, frérot. Il est encore dedans. Moi j'ai ce musée. Moi je suis là, c'est mais il était excellent. Mais il est trop bien, ce musée. Oh, t'es pas dans les petits. Devant les gosses, devant les gosses. Hey yo, what the fuck? Oh là là là, ta séquence est très bizarre. Très bizarre. Je suis un village. Émeraude. Ah là, on est bien. Les amis, on est en train de quitter la ville. Je suis dans le van, le vent nous pousse carrément. Mais regardez, on commence enfin à apercevoir les montagnes et tout. Là, je commence à avoir une énergie en mode, je me dis, ok, le road trip commence. On roule. C'est badant. Là. C'est mort, on roule dans du plomb. Ouais. Il y a que ça. Cette île, elle est dangereuse. Là, je sais pas où on va atterrir, mais ça fait flipper. Mais les gars, ça fait maintenant plus de 24 heures qu'on est en Islande. Voilà. La germitude du plan, il y a rien d'autre à dire. On est 4 dans un van, dans 2 heures il n'y a plus d'électricité dans le van, il n'y a aucun camping qui veut de nous, ils sont tous fermés, on n'a rien vu à part des nuages et de la boue. Frérot, on fait quoi ce soir? Et il est 18h et on est bloqué dans un van, tout est fermé, tous les supermarchés sont fermés. Il n'y a pas d'électricité. On a fait 3 campings, les 3 campings sont fermés, du coup on dort dans un camping fermé. Les gars, on n'a pas de chiottes, on n'a pas de douche. Je me suis fait péter ma valise. C'est le pire moi je de ma vie. Il a dit ce que tout le monde pense de moi. Ça fait un an, je dis on va aller en Islande. On va en Islande, c'est y a rien qui va quoi. Là, c'est le début, s'il vous plaît. Ça fait 2-3 jours. Ça fait 2 jours que c'est long, le début. Il est long ce début. J'espère que les plans d'après et le voyage va
J'espère qu'on aura des vrais plans de l'Islande et pas de 4 clowns dans un van. Il n'y a plus qu'à espérer que notre voyage se passe pour le mieux, mais pour l'instant on a vraiment pas de chance. Mais ça arrive, il faut pas chialer et on verra bien demain. C'est toi qui cuisine ce soir, Inox, par contre. Oui, on cuisine, on a acheté des. Regardez ce qu'on a acheté dans le van, les gars, quand je vous dis c'est la zermitude. On a acheté des bolognaises. Théma, c'est du riz, frérot. On avait pas, les gars, on avait pas d'eau. C'est de l'eau pétillante qu'on a. Hey, y'a rien qui va. Il était comme ça. Les gars, en fait, je vous explique, on roulait et y'a tout qui s'est renversé. Non mais y'a rien qui va dans ce voyage. On a plus d'eau, frère. Franchement, on peut pas faire pire là. On peut vraiment pas faire pire, je pense. Oh si, certainement. On peut crever. On peut crever, le van il peut ne plus démarrer demain. Non, en vrai les gars, ça rentre sur enchérir sur l'égritude. Faut essayer de sortir de cette sphère de merde en fait. Oui bon, tu t'appelles Voldemort de l'égritude. t'es le mec le plus aigri. Mais non mais van. Tu vois, j'essaie de nous sortir cette merde là. Moi, ouais, franchement, vous savez quoi? On a une chance de baiser, ce pays il est incroyable. On n'a rien vu parce qu'il y a des nuages, mais quand les nuages ils vont partir, ça va être baiser. Voilà, de merci. Merde. Oh là là. Non, à partir de maintenant, on fait genre tout est d'art. À partir de maintenant. Vas-y. Ouais. Les pastas Napoli, man. Moi, les amis, je suis toujours honnête avec vous. Quand ça va, c'est incroyable. Quand il y a des bas, c'est aussi incroyable. Et je suis honnête, pour l'instant, c'est la catastrophe. Mais il faut pas perdre espoir et ça va être incroyable. Mais au moins, vous voyez la réalité de la chose. On vous ment pas. Les amis, le repas de ce soir, tomato bizarre avec un petit sandwich. Là, on est en mode zermitude. Mais vas-y, y'a que ça qui est bon. Tu sais quoi? Moi, je suis aussi là sur YouTube pour faire mes expériences, pour avoir des souvenirs dans ma vie. Et ça fera partie de mes souvenirs. Ah, je vais pas exploser le van, s'il te plaît. C'est quoi ce bordel? Bon, j'ai peur. Allume. Mais arrête, j'ai le casque qui sort là. Ok, oh viens, ouais. Je fais un goût maintenant. Ok, bien, ouais. Vas-y. Oh, j'ai eu peur, sa mère. Bon, les amis, je vais goûter notre petite pâte réchauffée dans le van. C'est fait maison, hein. En mode zermitude. C'est parti, on va goûter. Ah, mais ils sont durs, sa mère, quoi. Par contre, c'est excellent. C'est trop bon. Les amis, on est en Islande et en Islande, les spécialités, c'est le skyr. Et ça, c'est bien pour la muscu. Le skyr d'ici, il est exceptionnel. T'as dit quoi là? Il y a un mec qui a chié devant le van là. Il y a un mec qui a chié devant l'autre van, frérot. Hey, je suis parti pisser, les gars. Je vous crois pas. Vas-y, va filmer et montre-moi. Oh, je suis parti pisser. J'ai des braguettes, mon truc, tout ça. Et je vois à côté, il y a une merde fumante à côté. Je finis mon bail et je vois, il y a le poteau, il sort. Il me dit, ouais, t'es parti faire quoi? Je dis, oh bah, je viens de chier là parce qu'elle était en train de fumer. Je me suis dit, c'est une blague, tu vois, il va pas me croire. Mais il m'a cru. Mais les gars, je vous jure que maintenant, c'est pas moi qui ai chié devant le van. C'est ça, frère. Non, mais attends, non, mais c'est pas humain ça. C'est pas humain ça. Non, c'est pas humain. Ah, mais je suis en train de zoomer sur du caca là, ça me fume. Ok, bah, c'est pas humain. C'est pas humain, c'est pas humain, gros. C'est une dinguerie la merde. C'est toi, gros, y a que toi. Hein. Frérot, c'est pas WAM. C'est quoi pour éviter le doute? C'est simple. Non mais tu peux rigoler autant que tu veux, frérot. Regardez-moi bien tous. Je meurs maintenant tout de suite, c'est moi j'ai chié devant le van maintenant. Je meurs maintenant tout de suite, c'est moi j'ai chié devant le van maintenant. C'est beau ou pas? Je meurs maintenant tout de suite. Il a chié un truc, frérot, c'est un goéland. Non mais demain on va chez le médecin, je pense après. Parce que vu la couleur. Tu t'y mets toi? Même le caméraman. Non mais c'est mon parasite. Là. T'as bien dormi toi? Réveil. Bien dormi. Van life. T'as quoi là? Tu veux ma photo? Je sais pas, frère, tu veux pas bouger de l'écran? Bon, les amis, c'est enfin le début de l'aventure après toutes les galères qu'on a eues. Je vous explique même pas. Et là, ça fait plaisir parce qu'on y est enfin. On est en plein milieu de l'île. Et comme vous pouvez le voir, regardez-moi ça. Il y a de l'eau évaporée qui sort de la terre. Donc là, regardez, je pense qu'on voit très bien. Regardez-moi ça. Les amis, ce qui sort de l'eau, c'est du soufre. Et c'est l'île qui le produit. Regardez-moi ça. Parce que là, il y a du soufre qui sort de la terre. Donc de l'eau qui boue. Mais qui dit eau qui boue dit geyser. Et oui, les amis, sur cette île, il y a des geysers. Et j'en ai jamais vu de ma vie. Donc, on va aller voir pour la première fois un geyser. C'est parti, let's go. Mais là, Mathieu, pourquoi il pleut là alors qu'il n'y a pas trop de nuages? Enfin, il y a des nuages, mais là, il pleut. Oh, regarde là-bas. Oh putain. Oh, c'est baisé. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, l'eau qui est en train de bouillir, je pense que vous la voyez, hein, y a de l'eau qui bouge juste à côté de moi alors qu'il n'y a pas de plaque de cuisson. C'est ça qui est incroyable. C'est la terre elle-même qui fait bouillir l'eau qui est autour de moi et l'eau est à 80-100 degrés. Et ça, c'est quand même incroyable ce que la nature nous offre. Oui. Et bah comment ça bouge? Oh, c'est baisé, c'est un jacuzzi. Et là, on y est. Les amis, c'est un geyser. Donc là, regardez. C'est la pierre en dessous du geyser. Et là, il y a un gros cratère. Comme c'était un volcan, il y a moyen qu'il y ait un moment où tout pète et que ça explose. Il n'y a plus qu'à prier, j'espère qu'on va le voir. Bon, je laisse la cam allumée parce qu'au cas où ça pète, faut la réaction. Ça fait déjà une heure et demie qu'on est devant. Non, je rigole. C'est le gros mytho là pour le content. C'est magnifique. Mais moi, j'ai envie de le voir péter. J'ai envie que ça pète. J'ai envie d'être comme ça et que ça pète. 1, 2, 3, explosion. 1, 2, 3, explosion. Ah, ça a bougé, ça a
Ça a bougé. Ouais, ça a explosé. Bon, les amis, ce que vous avez vu juste maintenant, c'est un geyser. Mais moi, je sais pas exactement ce que c'est, et peut-être certains d'entre vous, vous ne saviez pas exactement ce que c'est. Du coup, dis-moi, Jamy, c'est quoi un geyser ? Salut, Inox. En fait, il faut imaginer que sous tes pieds, le sol est complètement fracturé. Bah oui, tu es sur un gigantesque volcan. Ce sol est par ailleurs gorgé d'eau. Il pleut beaucoup, ou il neige en Islande. Alors, à une profondeur située entre 10 et 150 mètres, cette eau rentre en contact avec des roches qui sont très chaudes. Elles sont réchauffées par le magma qui se trouve en dessous. Vous savez, cette roche en fusion. La température de l'eau monte. Elle monte tellement que l'eau se vaporise. Elle se détend, occupe davantage de place et remonte vers la surface en se faufilant à travers les fractures qu'il y a dans le sol. En remontant, la bulle de vapeur repousse l'eau qui est au-dessus, comme les bulles de CO2 repousse le champagne quand on débouche une bouteille. Ensuite, il faut savoir que les conduits sont très étroits et plus ils rétrécissent, plus les fluides, c'est-à-dire la vapeur et l'eau, sont accélérés. C'est ce qu'on appelle l'effet Venturi. Lorsqu'elles arrivent en surface, eh bien, elles vont très vite et avec la vitesse, cette vapeur et l'eau produisent des jets qui peuvent monter à plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Puis le réservoir et le conduit se remplissent à nouveau, l'eau chauffe, se vaporise, et un nouveau jet se forme, et ainsi de suite. Je sais pas si vous voyez, mais regardez comment c'est clair. Là, c'est un petit geyser. Donc là-bas, il y a le gros geyser qui explose depuis tout à l'heure, mais celui-là, c'est un petit. Et regardez comment c'est clair à l'intérieur. Si je devais vous décrire un peu l'odeur que ça a, le soufre, vous voyez au collège, quand on jouait avec des boules puantes, tu les éclatais. Bah, c'est exactement cette odeur, on dirait un œuf pourri, l'odeur du soufre. Tu sais que tu touches l'eau, elle est à 100 degrés, là. Frérot, on part ses couilles ou pas? Déjà, je fais ça. Ah, c'est chaud. Oui, je l'ai pas eu. Carrément, elle m'a fait sursauter. Oh, attends, ça va péter, ça va péter. Je sens, là. Dis un mot pour que ça pète, là. Oh oh oh. Non, mais c'est incroyable quand ça pète, hein. Je suis fasciné par la planète, les gars. Je suis fasciné par la planète. J'ai jamais vu ça de ma life. Là, j'ai l'impression que c'est... On est à quoi boulevard? Alors que non, c'est naturel, ça, les amis. Je viens de revoir un replay, je vous le mets à l'écran en même temps que moi. On dirait pas trop que c'est un Suiton dans Naruto. Quand l'onde de choc, elle arrive, j'ai juré, c'est Naruto. On a loupé un G, frérot. Il est... C'est au bout de 3 semaines, quand t'as rien fait, là, c'est... Je sais pas si on voit, les gars, mais regardez comment c'est vert. Je sais pas si c'est le soufre qui fait ça. Je suis sûr que vous me dites en commentaire. Mais regardez comment c'est vert émeraude, là. Oh, c'est trop beau. On est où, là? Ouais, c'est une crevasse. Attends, j'arrive pas à comprendre. Wesh! Oh la dinguerie! Mais c'est les chutes du Niagara, là! Wesh! Oh la 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 la! Mais c'est énorme! Je sais pas si on se rend compte en vidéo, mais les chutes sont énormes! C'est de l'eau de mer ou de l'eau de source de l'île, ça? C'est les glaciers, genre, qui se déversent. Ah, c'est les glaciers qui fondent, les amis! Ça fait des chutes d'eau de sens pas! C'est quand même magnifique, hein. À côté du van où on est garé, il y a un truc, on peut marcher et je pense qu'il y a de l'eau entre deux roches et tout, un peu stylé. Une espèce de faille là, je suis viens, on fait une mini expédition. Appelez-moi l'explorateur et regardez, j'ai trouvé la faille de l'invocateur. Wesh, oh putain, c'est des sables mouvants, les gars. Ah, c'est du caca, ah. C'est ma chaussure. Ah. Tes mains, comment elle éclaire l'eau. Oh, il y a une faille comme ça de ici à la montagne là-bas. Je sais pas si on se rend compte, mais c'est insane. Je suis en plein milieu d'une plaine et il y a ça. La nature, la nature. Les
Les amis, on va faire une activité de zinzin qu'on ne pourra faire nulle part ailleurs parce que oui, je suis sur un parking, c'est bien moche. On va faire de la plongée entre deux plaques tectoniques qui se sont séparées et qui ont formé une sorte de site de plongée avec l'eau la plus claire du monde. Je dis bien l'eau la plus claire du monde. Donc on va prendre la GoPro, il fait 0 degré dehors, on va s'équiper en tenue de plongée pour aller découvrir qu'est-ce qui se passe dans cette faille. Donc c'est parti, on va découvrir tout ça. Let's go. Sir, it's cold, the water? No, it's warm. It's warm? Yeah, of course. Ok. Putain, c'est de l'eau chaude en fait, on est dans des sources chaudes. How many degrees the water? 37. No. It's for notre gueule. No, really? 37 bro. Fahrenheit. Non, mais. Ah, ça veut dire quoi Fahrenheit? Fahrenheit, tu divises par 4. It's 2 degrees. 2 degrees, the water? Yes. The water is 2 degrees. Yes. Ah, il se fout de ma gueule. Les gars, je suis en train de m'équiper. C'est une dinguerie la tenue, comment elle est dure à mettre. Ça tire les voiles de fou. Regardez la dégaine, on est en mode plongeur. Regarde la couleur de mes habits. Plongeur. Ah, c'est chaud hein. On va plonger dans l'eau à 0 degré. J'ai peur là, là j'ai... Je suis pas serein là. Outfit of the day mon ami, oh, regardez-moi la tenue. Bien moulé en tout cas. Bien gaulé le petit poteau là. On va carrément plonger là-dedans. Oh les pauvres, ils doivent avoir trop froid. On va y passer, hein. On va y passer. C'est l'heure. Ah, oh la tête de cul que t'as. Salut. Tiens, comment je rentre? C'est de la vache. Eh mais gros, j'ai juré, on sent rien. On sent rien. L'Islande est formée de la séparation de deux plaques tectoniques, la plaque américaine partie ouest de l'île et la plaque eurasienne. C'est la faille Silfra, le seul endroit au monde où on peut plonger entre deux plaques tectoniques. Un passage tellement étroit qu'elle fait partie des eaux les plus claires au monde. Alors malgré la température de l'eau qui est carrément à 2 degrés, on a quand même voulu plonger et voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Les amis, l'activité vient de se terminer, je me suis changé. Comment vous dire que c'est une expérience de fou furieux? Alors ok, l'eau est très très froide, les combinaisons nous protègent de zinzin, mais sur la tête, bah l'eau elle est à 2 degrés, donc ça fait très très... ça brûle en fait. Mais c'est magnifique, l'eau est toute claire. Pour vous dire, j'ai déjà fait de la plongée et j'ai jamais vu une eau aussi claire. On voyait au loin, c'était incroyable, franchement, j'ai adoré cette activité. Je valide, franchement, l'eau les plus claires du monde en Islande. Validé. Après cette grosse journée, on pensait être au bout de nos surprises pour aujourd'hui. Alors, on a pris la route pour l'est de l'île en direction des glaciers. La nuit est tombée et au bout de quelques heures de route, j'ai levé les yeux au ciel et c'est là que... Mais c'est vraiment pour rien. Hey, il est dégueu le micro, on est sur la route. Attends. Hey, on est en plein milieu de la route. On a vu une trace blanche dans le ciel, mais c'est des aurores boréales ou pas? Oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Les amis, il y a en face de nous des aurores boréales, mais nous, pour nous, c'est éclaté. Pour nous c'est blanc, mais je pense que pour vous c'est vert. Mais hé, les gars, moi je vous jure, faut attendre. Dans 10 minutes, ça se trouve, ça va péter. Oh. Ah ouais, c'est tout vert. C'est tout vert, mais ça se voit en plus. Ouais. Les amis.
amis, on est arrivé au spot où on va dormir. Regardez-moi le ciel derrière. Il y a des aurores boréales, c'est incroyable. On vient de se réveiller pour aller voir les glaciers aujourd'hui. Grosse randonnée pour découvrir un peu les glaciers, aller dans les grottes de glace. Donc on est arrivé de nuit hier, comme vous l'avez vu, on a vu les aurores boréales. Et là, je vais ouvrir la porte et on va voir le spectacle qui nous attend dehors. Ah ouais, les amis, je suis en plein milieu de l'Antarctique. Waouh, putain de merde. Je suis dans un désert de glace, les amis. Ça, c'est la prochaine étape. Faudra que je fasse une survie dans un truc comme ça. Magnifique. C'est parti les amis, aujourd'hui on va vivre une journée de zinzin. J'ai jamais vu de glacier de ma vie, je suis jamais allé dans des grottes de glace. Et aujourd'hui on va découvrir tout ça, et ça va être magnifique. Je suis avec Laurent, salut Laurent, ça va? Salut. Tranquille, Laurent, c'est lui qui va nous accompagner toute la journée, qui va nous faire découvrir le glacier, c'est ça? C'est ça. Donc c'est quoi exactement le glacier ici? On est où? C'est quoi un glacier? Un glacier, c'est un gros paquet de neige. Ouais. Qui a fini par se tasser tellement que la neige s'est transformée en glace. Très compact, très dense. Ok. Laurent va nous faire une randonnée pour qu'on marche dessus. Et c'est parti que l'aventure commence. Regardez-moi cette montagne de zinzin, les amigos. Je me croirais carrément dans un film. Je sais pas si vous voyez des striures dans la montagne. Et bah, c'est il y a longtemps, il y a fort longtemps, si je devrais vous expliquer ça. Je suis le nouveau Jamie. Il y avait un volcan qui est monté en éruption. Ça a fait une couche. 2 ans après, il a peut-être réapparu, ça a refait une couche. Et le magma, il s'accumule et ça fait que il y a des traits dans les montagnes, un peu sur toutes les montagnes qu'on va voir aujourd'hui. Et c'est magnifique. Et en fait, l'Islande, je savais pas les gars. L'Islande, normalement, c'est un fond marin. Là, sur la terre où on est, ça a rien à voir avec un continent. Normalement, c'est un fond marin qui est remonté à la surface à cause de volcans dans la croûte tout en bas. Et en fait, du coup, c'est remonté à la surface, ce qui faisait que, en fait, avant, sur l'île, il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'animaux, il n'y avait rien. Et c'est les hommes qui ont ramené les animaux, les sapins, tout ça. Et après, il y a aussi eu des espèces qui ont migré de l'Europe pour venir jusqu'en Islande. Et c'est quand même incroyable parce que c'est une terre ultra récente. Contrairement à tous les continents où on vit tous, c'est une terre qui est beaucoup plus récente que toutes les autres. Elle est apparue après les continents, donc elle fait un peu primaire, quoi. C'est un peu primitif, c'est la vie la vraie, quoi. On est carrément dans Interstellar. Et j'ai eu l'info, on vient de me dire que Interstellar a été tourné pas loin d'ici. En Islande? Oui. Putain. Sur un glacier, sur une autre langue de glace du même glacier. Ah donc Interstellar, mon film top 1, a été tourné ici les amis. Alors je vais te dire exactement où, comme ça tu pourras aller voir. Ah c'est carré, vas-y. En termes d'équipement, au cas où on glisse sur la glace et tout, on doit mettre des casques, on doit mettre des chaînes sur nos chaussures pour attacher à la glace ou la neige. Mais regardez les amis, on est dans Interstellar. Regardez la montagne de zinzin. Comme tu disais, l'endroit dans lequel on marche ici, je sais pas si vous voyez, les amis, on dirait un sorte de désert. Le glacier, tu veux dire? Ouais, en mode. Le glacier, il y a 100 ans, il était au niveau de la route. Il était au niveau de la route là-bas? Ouais, il y a une dizaine d'années, le glacier était assez proche de là où on se trouve maintenant. Ah, donc là, il y a 10 ans, il était vers ici? Ouais, à peu près. Et là, maintenant, il est tout là-bas. Donc toi, t'arrives à voir chaque année que. Ouais, le glacier. Bah, surtout, d'autant plus qu'il y a 10 ans, moi, j'étais là en train de prendre parmi les premières photos des excursions qu'on faisait sur ce glacier-là. Ok. Donc pour le coup, je l'ai vu, quoi. Donc ça fond de fou, en fait. Ça fond, ouais, pratiquement 100 mètres par an. 100 mètres par an? Ouais. Oh, c'est balèze. Pour arriver ici, comme disait Laurent, on a fait 45 minutes de route en voiture. Donc dites-vous qu'il y a 100 ans, toutes ces 45 minutes de route, c'était de la glace. Et là maintenant, c'est un désert. Et là-bas, il y a le glacier. Ça veut dire, je sais pas si on se rend compte de la dinguerie, de la fonte des glaces. Mais en vrai de vrai, c'est un gros problème. Le glacier, il y a 100 ans, il était à quelque chose comme 8 km plus loin. C'est la route qu'on a fait, la piste qu'on a fait. Elle doit faire 7-8 km. Ça nous a pris 30 minutes, bien sûr, parce que c'était une piste bien défoncée. Ouais, voilà. Mais c'est à peu près 7-8 km sur une centaine d'années de fonte. Bah, en moyenne, on est à quoi, 70 mètres par an ou quelque chose comme ça. Donc c'est un chiffre qui est pas. Moi, je trouve ça quand même énorme, 70 mètres par an. Ouais. Et tu penses dans combien de temps il n'y a plus de glaciers? Alors, les scientifiques disent que d'ici quelques dizaines d'années, on ne verrait plus les langues de glace. Donc celle qu'on voit là-bas, elle aura disparu, elle sera fondue, quoi.
On parle de peut-être 50 ans, 60 ans. Et donc le glacier lui-même, c'est encore 150 ans à peu près d'espérance de vie. Et ça, je pense, c'est à cause de nous ou c'est un phénomène naturel que nous on a accéléré le réchauffement climatique. Ouais, je le dirais comme tu viens de le dire. C'est un phénomène naturel qui a démarré il y a un peu plus de 100 ans. Ouais. En revanche, l'activité de l'homme a multiplié la vitesse du changement climatique, quoi. Ouais, c'est exponentiel, quoi. Mais moi, je pense que c'est ça, en fait. Tu sais, il y a toujours eu des moments où dans la planète, elle s'est refroidie, elle se réchauffe. Par exemple, les glaciers islandais. Ouais. Depuis l'arrivée du premier glacier à 3,5 millions d'années, ouais. Il y a eu 5 périodes interglaciaires. C'est quoi ça ? Que 5 fois les glaciers ont complètement disparu, oh. Et se sont aussi reformés. Donc il y a eu des changements climatiques qui sont déjà arrivés. Donc il se peut que dans 200 ans, ils reviennent, quoi. C'est pas impossible. C'est quand même triste de se dire que des choses comme ça, si je reviens dans 10 ans, ça aura déjà changé. Donc on va profiter. Ça a l'air stylé, hein, frérot. Là, l'expédition, je pense, ça me rappelle, tu sais, la Réunion, mais genre glacée. Ouais, là, ça va être baisé, je pense. Oh, le pont de la mort ! Ah, mais il fait bader le pont ! Hey, tu sais qu'il fait bader de fou. Oh, c'est stylé. Oh, comment il bouge. Là, si je tombe en dessous, ma journée, elle est finie. C'est interstellar. Ah, vous l'avez fait hier, le pont? Non, le pont, il est là depuis longtemps, mais regarde, il y a une fondation qui s'est barrée. Ah oui, c'est pour ça que ça tanguait un peu. Normalement, ça, c'est sur le caillou au milieu sous le pont, quoi. Ouais, ça tient le pont. Je pense que vous le voyez, le glacier est juste devant nous. On va s'équiper, on va mettre nos chaînes sur les chaussures et on va s'aventurer dans la glace. Pense à rien quand t'es là. À marcher un peu au milieu du désert glacial. Juste mon casque qui se barre en couille, mais c'est quand même un truc de fou. On est à la limite du glacier. Ah, regardez, en dessous c'est du glacier. Pourquoi il est noir le glacier? Il est plein de cendres. Ok, ah c'est les cendres du volcan? Ouais, à l'intérieur. On est sur le glacier, regarde, je vais le montrer. Alors si on enlève la neige... Wesh! C'est un glaçon géant! Voilà. Oh! De la taille de la Corse. Donc tout ça, c'est la Corse entière de glace. Ouais. Wow. Eh, si ça tape dedans, ça fait quoi? Ouais. Oh, il y a du diams. Oh, je suis en train de miner. Hey Ron, j'ai eu combien de charbon là? Non, j'étais un petit peu désolé de voir la faiblesse du geste. Comment ça? Wow. Oh, le trou qu'il a fait. Attends, oh, le trou de baiser. Vas-y. Oh non, je suis déçu là. Vas-y Mathieu. Kuwashina kuna matata. Oh le flop. Il faut vraiment faire gaffe comment vous marchez avec vos crampons. Ça marche. Et n'hésitez pas à donner des coups, à taper du pied réellement. Allez, en route. Allez, go, l'expédition commence. Eh, c'est quoi ça, Laurent? Là, on va voir. Mais non. Bah allez, venez. Wesh. Attends, c'est quoi ce bordel? Hein? Oh les gars, là tu tombes. Je te nique. Ouais. Mais c'est quoi ce bordel? Genre y'a ça là-dedans. Wesh. Oh la balle. Oh la balle. Je suis dans un tunnel, les amis. Mais quoi? On est à quoi boulevard? Wesh. Ça c'est de la glace, hein. Oh ouais. Eh, hey, le tunnel, il est incroyable. Mais wesh. Regardez comment c'est transparent de baiser. On est tombé dessus par inadvertance. Eh, hey, Laurent. Ouais. C'est quoi qui crée ce genre de tunnel? C'est de l'eau. Qui passe comme ouais. Ça l'eau d'écoulement, si tu veux. Quand le glacier fond, quand il pleut, ouais. L'eau ruisselle sur la surface et finit par utiliser les aspérités et les faiblesses du glacier, les petites crevasses, ou les petits cracks, en fait. Ouais. Et elle va s'infiltrer là-dedans. Et à force que l'eau s'écoule, elle va creuser, elle va faire des petits canyons de ces petites crevasses. Et au bout d'un moment, elle va creuser des tunnels comme ça. Oui. Oh, ça fait peur. Et ça traverse l'ensemble du glacier, puisque toute l'eau, là, elle finit par arriver sous le glacier dans la rivière d'écoulement qui ensuite s'en va vers la mer. Wow, regardez les fissures qu'il y a dans le glacier. C'est baisé.
Il y a 100 ans, les amis, un peu plus de 100 ans environ, le glacier, il était à la moitié de la montagne. Il a tout fondu. Et vous voyez ce lac là? Il y a un lac que je montre jusqu'au nuage là-bas, tout là-bas. Tout ça, c'était un glacier. Tout ça, c'était glacier. Et tout a fondu. Ça fait flipper quand même. Les scientifiques parlent que à peu près 70% de l'eau douce qu'on peut boire et qu'on peut utiliser, nous, les humains, ça provient des glaciers. Okay. Ils sont sur la plate. De tous les glaciers, quoi. Ouais, les Alpes. Les... Donc quand on dit qu'il faut protéger les glaciers et qu'ils font, pour pas qu'ils fondent trop vite, bah, une fois que tous ces glaciers auront fondu et que l'eau sera partie dans la mer, on n'y aura plus accès. Putain. Et c'est quand même 70% de notre potentiel de ressources d'eau. Ah, c'est un truc de fou, ça. Ouah. Ça, c'est une dinguerie, ça. On va rentrer là. Ouais, on va rentrer là-dedans. Oh. Alors ça, les frérots, ça m'a l'air incroyable. Oh là, je suis hype, là. S'il y a un tunnel comme ça, c'est qu'il y a de l'eau, forcément. Okay. C'est creusé par l'eau. Donc l'eau. Au fond de ce truc, il y a une petite rivière. Oh. Mais je pense qu'elle est gelée. Et au moins qu'il y ait une plaque de glace au-dessus. On y va doucement, mais dans tous les cas, c'est pas plus profond que quelques centimètres. Donc faut faire attention. Et vos chaussures sont étanches. Donc ah, okay, ça va. Okay. Je sens elle va être incroyable. Tu peux être devant moi si tu veux. Oh, explorer. Je prends les devants. Vas-y. On m'a autorisé à prendre les devants pour rentrer dans la grotte. On est en plein milieu de l'Islande. On va rentrer dans une grotte de glace. Et ça, c'est impressionnant parce qu'on n'est pas dans un film. C'est la réalité. Regardez-moi ça. Comment c'est énorme. Wesh. Oh. Les amis, on commence à s'aventurer. Wouah. Non. Mais c'est trop beau. Oh, la caverne de fou furieux. Et là, il y a un petit ruisseau qui passe. C'est impressionnant, on se croirait dans un film. C'est tellement grandiose qu'on dirait que c'est pas vrai. Franchement, le décor est bien fait, hein. Ouais. Tout ça là, c'est de la glace. C'est de la glace. Oh, même ça, c'est beau. Franchement, c'est une balle, hein. Putain. Mes amis, je m'en vais. On fait un pif. Emma, comment c'est serré. On est serré là, gros. Oh, ça fait peur, hein. Oh, ça fait peur. Ouais, arrête de te coller à moi. T'es claustro, ouais, je suis pas claustro, mais ça fait quand même bader. J'ai pas envie de me mettre d'avancer plus et être bloqué en fait. T'es vraiment claustro. Hein? Inox, c'est claustro. T'es pas claustro toi? Je suis très bien là. Nouvelle news. Mais tu vas pas rester bloqué là, frérot. Vas-y, avance encore plus. Porte tes couilles et avance. Mais j'arrive pas à avancer plus. Mais t'abuses, toi. Y'a un truc dans ma tête qui me dit n'avance pas. Alors, je pense que tu vas vite être coincé là. T'arriveras, monsieur, t'arriveras à faire demi-tour. T'inquiète, on te sortira. Non, viens, on va dans une autre. Y'en a d'autres, c'est sûr. Ah, sacrée grotte là. Ouais, c'est pas mal, hein. Wow. J'ai un vrai plan là. On s'extirpe de la grotte pour aller pique-niquer et aller voir des icebergs. On est dans un canyon interstellar. Et regardez, normalement ici les glaciers fondent et se jettent dans la mer. Et là, oh. Non mais le glacier il est énorme en fait. Je sais pas si on voit mais je vais envoyer le drone mais c'est une balle. Oh. Non mais les glaciers c'est impressionnant. J'avais jamais vu ça de ma vie. Eh hey, j'ai une question Laurent, pourquoi les glaciers comme ça ils sont aussi bleus les icebergs? Mais faut que tu demandes à Jamy. Bon bah dis Jamy, pourquoi c'est autant bleu les glaciers? Pour comprendre il faut d'abord se pencher sur la lumière et la décomposer. Oui oui, décomposer la lumière. Le soleil émet de la lumière blanche. Elle est en fait constituée d'un mélange d'ondes électromagnétiques. Ces ondes sont caractérisées, entre autres, par leur longueur. La longueur d'onde, c'est-à-dire la distance entre deux crêtes. Chaque longueur d'onde correspond en fait à une couleur. Alors par convention, on dit qu'il y a 7 couleurs, les fameuses couleurs de l'arc-en-ciel, qui une fois réunies, donnent du blanc. Mais bon, on pourra en trouver beaucoup plus, et aussi des couleurs invisibles à l'œil nu. L'infrarouge ou l'ultraviolet par exemple, mais dans ce cas, est-ce que l'on peut encore parler de couleur? Mais revenons à la couleur des objets, la couleur du glacier. Il faut savoir que la surface de chaque objet a des propriétés différentes. Elle absorbe une partie de ses rayons. Les rayons qui ne sont pas absorbés, eux, sont réfléchis. Et ce sont eux qui donnent la couleur que nous percevons. Tenez par exemple, un objet est rouge parce qu'il absorbe toutes les longueurs d'onde, sauf celles qui correspondent à la couleur rouge. La neige est blanche parce qu'elle n'absorbe aucune longueur d'onde. Elle les renvoie toutes. Ces longueurs d'onde se mélangent et ça donne du blanc. Avec la glace, c'est un petit peu différent parce que, au fil du temps, la neige s'est tassée. Elle s'est débarrassée
des petites bulles d'air qu'elle emprisonnait au départ. Du coup, elle absorbe désormais une partie des couleurs, sauf le bleu, qu'elle renvoie. Voilà, c'est la raison pour laquelle les glaciers sont bleus. Sandwich avec cette vue. La misère est si belle. Je vais dire les termes, hein, mais je pense que j'ai rarement vu des trucs aussi beaux. Oh là 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 là. La vue incroyable. Là, c'est chaud. Oh, le glacier totalement détruit là. C'est trop beau. Je kiffe. Les glaciers représentent 70% des eaux de source potables sur Terre. Leur disparition représente un véritable enjeu pour la survie de l'espèce humaine. D'autant plus que lorsqu'un glacier fond, l'eau se déverse dans l'océan et fait monter le niveau de la mer. À ce rythme-là, d'ici environ 150 ans, ce glacier aura complètement fondu. Les scientifiques estiment qu'à cette date, le niveau de la mer aura augmenté d'environ 60 mètres. Sauf qu'à l'heure actuelle, 90% de la population mondiale vit à moins de 10 mètres au-dessus du niveau de la mer. Imaginez seulement des villes comme Paris, Londres, Venise qui disparaissent de la surface de la Terre. La vue est magnifique et je vais dédicacer ce moment à ma mère. Voilà, c'est une preuve d'amour. Les poils, là, ça c'est pour ma mère ça. Ah c'est un cul. Ouais, t'as vu, il est beau. Je croyais que c'était un cul. Ça fait un beau plan ou pas? Je sais pas hein. Je sais pas ce que ça va rendre. Ah t'as fait des poils. Ça c'est un cœur. Islandais. Pas bon, non. Ah, on appelle ça un moine. En plein milieu du glacier, il y a ça. C'est quoi? C'est un tas de cendres qui s'est retrouvé en haut, en bas d'un trou. On a vu plein de trous, ouais. Hyper profonds et des fois assez étroits. Et donc la cendre a rempli le fond d'un trou. Un tas de cendres de volcanique. Le glacier a fondu. Donc le trou était de moins en moins profond jusqu'au moment où le tas de cendres était sur le glacier en fait. Ça, c'était le fond d'un trou avant. C'était le fond d'un trou. Ouais, ça marque le fond d'un trou. Incroyable la nature, putain de merde. Inès, t'es déjà descendu en rappel? Regarde comme je suis positionné. Regardez là ce que je vais faire. Bah, est-ce que je vais faire l'escalade là? Je vais monter ça. Il va me prendre en rappel. J'ai jamais fait ça de ma vie moi. Donc regarde, quand tu descendras toi, ouais. C'est moi qui va te faire descendre. Le seul truc que toi à faire, c'est t'as même pas besoin de toucher à la corde. En revanche, regarde, c'est surtout tes pieds et la position de ton corps. Regarde bien, tu vois mes pieds, ouais. Je suis à plat sur la glace, ouais. Et mon dos est droit vers ouais. Le haut. Et quand la pente elle est plus grande, plus abrupte, regarde, il faut que tu gardes de l'espace entre tes jambes, d'accord? Ouais. Que t'aies les pieds pratiquement devant toi. Ok. Pas en bas. Pour que tu puisses ensuite marcher en reculant comme ça. Regarde mes pieds, ils sont pratiquement au niveau de mon bassin. Ok. Tu vois? Et quand tu seras arrivé en bas, alors tu escaladeras et je t'expliquerai comment faire. On aime l'aventure, nous. On n'est pas là pour jouer au cas. Oh, c'est badant! J'ai pas peur, c'est dans la tête. Dans la tête. Alors, dis-moi ce qui se passe. Alors là, maintenant, tu recules tranquillement. Rappelle-toi ce que je te disais tout à l'heure. Garde tes pieds à plat. Le piolet, essaie de les tenir tous les deux par le haut, dans une seule main, comme ça. Et maintenant, tu vas te laisser tranquillement descendre. La partie la plus dure, c'est maintenant. C'est quand tu vas doucement rentrer dans la pente. Ok. Là. Wow. Ok, super. Et t'es bientôt en bas maintenant. Ça va? Tu te sens bien? Ouais, ça va. J'ai l'impression que ça va pas tenir le baudrier. Ouais. Tu te sens bien? Ouais. Reste ton corps, plie ton corps en deux. Voilà, pour que ton dos reste droit. Voilà, exactement. Oh, attends, là, ça fait peur. Ouais, c'est bon. T'es au bon endroit. Et maintenant, t'as plus qu'à continuer jusqu'en bas. Putain, ça fait peur! C'est bien là? Regarde-nous un peu, souris un peu là. Sois heureux un peu quoi. Ouais. Oh putain! Oh! Oh! Wouhouhou! Oh, c'est une sensation hein. T'es pas serein, t'as vite envie d'être en bas hein. Et là, je dois monter maintenant. Ouais, quand tu vas être prêt, tu vas pouvoir monter. Essaie de planter tes piolets. Et monte pas tout de suite hein. Essaie de planter simplement pour commencer. Ah ouais, c'est dur quand même. Ok, repose-toi. Putain, mais c'est trop dard. Juste, j'ai un défaut, je me précipite. Tu vois? Voilà, un chat à 9 vies, pas ton genou qui va te tenir. Et là, tu peux me planter les. Tu peux mettre les piolets comme tu tiens le piolet de marche. Par le haut maintenant. Ouais! Yes! J'ai réussi, Laurent! bravo! Oh, j'ai réussi, les gars! Mais hey, tu sais que c'est dur, hein! Tu peux vite perdre tes moyens. Genre là, tu vois, j'essaie de me précipiter pour aller vite. Carrément, mais tu te fatigues aussi. Mais tu te fatigues aussi, hein! Mais c'est dur, hein! Mais c'est une expérience! J'ai bien kiffé en vrai. Viens, on s'en monte un plus haut.
Les amis, franchement, super expérience, escalade comme ça sur un glacier. Et je pense j'essaierai d'en faire autre part, mais sans me précipiter. Merci pour l'expérience, c'est incroyable. C'est cool. Franchement, incroyable l'escalade. Je pense qu'il y en a et vous en faites, mais là c'est quand même différent. C'est vraiment, c'est physique, hein. Tu te tues les triceps, hein. Comme ça. Comme ça. Tu deviens plus méthodique. Et ouais, après, et là, j'ai fait de la merde. Technique et tout, t'es un c'est peu quoi plus... les trucs que j'ai mal fait là? Bah, par exemple, t'as pas toujours besoin de taper comme une brute. Les amis, je viens d'arriver en bas. Regardez-moi ce spectacle visuel. Regardez-moi ça. La fontaine de Zinzin. Full glace. Je me dis, what the fuck, genre. Genre, ça c'est réel. Oh, les trous de fou. Je suis carrément dans la glace. Oh, le plan est trop beau. La nature nous offre des tableaux comme ça, c'est somptueux. C'est un ruisseau qui a fait ça, en fait. C'est l'eau qui a fait ça. Comme tout ce qu'on a vu jusqu'à toute la journée, en fait. Dans la glace, il y a des bulles d'air qui sont bloquées. Tout ça, c'est de la glace et à l'intérieur, on voit tout le relief. Mais c'est incroyable. Hein. T'as dit quoi? Wesh, mais j'avais pas vu qu'il y avait un tunnel comme ça. Wesh! Oh, le tunnel! Non, là, c'est incroyable, ça. Comment c'est bleu? 5 hours later. On est encore dans les tunnels de glace. Oh, le mur! Mais t'es moche, je vois Thomas de l'autre côté! Wesh! Wesh! J'avoue! C'est une salle de glace! Mais wesh! Oh, c'est trop beau! Oh non, c'est incroyable dans quoi on est là! Voilà, on est serré là! Claustro-vibe là! Wesh! Attends, c'est serré! Mais c'est trop beau les amis, c'est trop beau. Non mais attends, vous descendez où là les gars? Il va en enfer. Je sais pas si je vais venir. Viens, viens, viens. Waouh. T'as ouf. Je suis bloqué là. Rends-toi. Ouais. Comment je suis serré? Comment c'est serré? Je commence à être un peu claustro là. Mais wesh. Mais les gars, ça va jusqu'à où là? Oh, ça fait flipper, hein. On se croirait dans les films d'horreur où ils descendent comme ça. Les amis, l'expédition est terminée. Ça vous a plu, vous? C'est incroyable. Sale. Mec, c'était un truc qu'on verra pas tous les jours. Et encore une fois, malheureusement, dans quelques années, on aura plus la chance de voir tout ça. Donc voilà, faut faire attention à notre planète. Et franchement, j'ai kiffé sa mère. Je reviendrai, je pense, dans 10 ans, voir la différence de mes propres yeux. Et ça peut être une sacrée expérience. Bien arrivé après cette expédition, on va aller dormir et on se réveille demain matin pour une nouvelle journée, de nouvelles découvertes. Bonne nuit à tous, à demain. Petit réveil en beauté ce matin et j'ai une bonne nouvelle. Hier on allait voir un glacier et j'ai pensé à Interstellar quand on était sur le glacier, bien sûr, ce magnifique film qui est dans mon top 1 film. Aujourd'hui on va aller au glacier où ils ont tourné Interstellar, donc le vrai de vrai. On va faire décoller le drone et on va voir si ça ressemble au film, si vous avez la ref. Donc c'est parti, rendez-vous sur le glacier d'Interstellar, let's go. J'étais sur la route pour aller voir les glaciers d'Interstellar, les amis. Sauf que l'Islande est un pays magnifique. Et regardez sur quoi on tombe. On tombe sur une cascade de Zinzin, mais elle est un peu loin. Cette cascade a quelque chose de très particulier et on va s'y trouver juste en bas pour que je vous explique pourquoi les roches sont d'une façon particulière. Bon, vous les avez pas encore vues, mais vous allez les voir. Bref, cette cascade est particulière et nous allons voir pourquoi. Ces formations qui ressemblent à Minecraft sur la cascade, ça s'appelle des orques de basalte. C'est une formation qu'on ne peut voir qu'en Islande, car ça se forme lorsque la lave refroidit extrêmement vite. Celle-ci date d'une époque ancienne, lorsque les températures étaient beaucoup plus froides qu'aujourd'hui. Magnifique. Magnifique. Regardez-moi ces roches, on dirait on est dans Minecraft. Je sais pas si vous voyez bien, mais les roches elles sont cubiques. Les roches de la cascade, c'est magnifique. Waouh. Avec toute l'eau qui coule et les stalactites, c'est trop trop beau. Mais en vrai, cette cascade est quand même incroyable, je trouve, parce qu'il y a vraiment la forme de cube Minecraft. Et c'est un truc de fou comment la nature, elle a réussi à refaire ça. C'est pas l'œuvre de l'homme. Ce que vous voyez derrière moi, c'est la nature elle-même qui a formé ces cubes et cette cascade en forme de cube. Et je trouve ça incroyable, parce qu'on dirait que c'est fake. C'est tellement fou qu'on dirait que c'est fake. C'est comme la caverne de glace qu'on a vue hier. C'est la nature qui l'a fait, c'est pas l'homme. Du coup, t'as l'impression que c'est fake. Mais c'est réellement réel. Je vais faire un lancer de pierre. Regardez-moi ça, mec. Big rat. Ne bougez pas. Look at that rock, man. Tu
Tu vois le lac gelé là? Je vais faire un trou dans le mur. Même pas touché le lac. Oh, j'ai explosé la pierre. J'ai explosé la pierre. Faut toujours surenchérir. What the fuck man, what is this rock man, what the fuck. C'est comme ça que ça se passe, vous êtes prêts? Tu touches le lac, je te suce. T'es prêt? T'es sûr? Là, elle va dans le lac, je te suce. Il a dit quoi? On va dans le lac, il me suce? Ouais. Attends, non, okay, je regardais avec la monétisation YouTube. Gros, t'es le meilleur si jamais ça va dans le lac, franchement, big up. Mais tu me fais quoi? Je te respecte vraiment. Tu me respectes vraiment? Regardez bien ce que je vais faire. Jeter de pierre. Dans 3, 2, 1, go! Oh le flop. Putain, oh, le... Je vais faire une expérience sociale. On va voir si c'est solide. Waouh! En vrai, ça a l'air solide, hein! Non, c'est trop dangereux. Je ne prends pas ce risque. Les amis, on a marché un petit peu. Vous êtes prêts? Il parle trop, votre pote. Regardez bien. C'est enneigé. Normalement, en été, c'est ouvert. Mais on va voir ce que ça donne. Ah putain, comment c'est froid, sa mère. Frérot, tu traînes trop, avance là. Et là, t'as YouTube, froid. Tout ça, c'est fini. Let's go. Ah, c'est froid. Regardez-moi ça, les amis. Regardez-moi ça. On dirait pas trop. Oh, elle m'a coupé. On dirait pas trop, on marche dans les nuages. On est au bord du canyon. J'ai pas encore une vue sur le canyon maintenant. Mais là, on dirait on marche sur les nuages. On dirait, mais c'est incroyable, regarde. Et en face, il y a personne. C'est trop beau. Nous sommes arrivés au bout du canyon. Pop, wesh. Comment ça fait? What? Oh, regardez-moi la beauté de la nature. Voilà, je vous laisse profiter de ces belles images. La nature est excellente, la nature est belle. Oh, regardez-moi ce canyon. Ce canyon de zinzin. T'as mal, là, il y a une cascade. Cascade, rivière, tout le canyon. Coucher de soleil. Ah là, on y vient. Les amis, la vie est belle, la vie est belle, faut en profiter. Et c'est des choses comme ça qu'il faut voir dans sa vie. Mais tu peux rester, tu vois, quand t'as des paysages comme ça, tu peux rester pendant 3 heures à regarder et tu te dis juste c'est beau quoi. C'est... Tu regardes, tu penses à ta vie, tu demandes si t'es un homme bien, si tu fais les choses bien, si je sais pas, tu te poses des questions. Je me demande comment devenir un homme meilleur. Quand je regarde des paysages comme ça, j'inspire à être quelqu'un de meilleur. C'est notre vie qui passe vite. Parce que elle, la nature, ça fait des millénaires que l'eau coule là. Ça fait des millénaires que tout coule, que le soleil se lève, qu'il se couche. Et nous, notre vie, elle passe très vite. Il faut en profiter. En tout cas, c'était magnifique. Peace. Inox. Les gars, qu'est-ce que vous faites? Hamza, oh oui, le nouvel album, il est magnifique les amis. Et oui, pour nous, chez nous, il vient de sortir, il y a le nouvel album d'Hamza qui est sorti. Et là, c'est bonne ambiance. Quoi, pas avec le stick. Quoi, tu veux tester? Ça c'est du bon son bébé. Je pense qu'Hamza a sorti l'album de l'année. Hamza a sorti l'album de l'année. Et je n'ai pas honte de le dire, je suis fermé au débat.
Et pour la peine, on va voir quelque chose de magnifique. On va voir une cascade géante. Je dirais même peut-être la plus grande d'Islande. Donc c'est parti, let's go. J'espère qu'on le voit. Mais regardez, il y a un arc-en-ciel à côté de la cascade. Dites-moi que vous le voyez à la caméra. Je vous en supplie. Mais en tout cas, voici la plus grande cascade d'Islande. Et je dirais même la plus belle. On est à un lieu mythique en Islande. Il y a beaucoup de gens, comme vous le voyez, contrairement aux autres endroits où on est allé. Parce que quand même, elle flingue la cascade. Regardez-moi ça. Ce que vous voyez en face de moi, cet énorme débit d'eau qui fait cette cascade descend tout droit du glacier de Langjökull au nord. On peut deviner que l'eau vient du glacier par sa couleur blanchâtre. Lorsque la glace fond, elle se mélange aux minéraux qui se sont retrouvés piégés il y a des centaines d'années. Bah, y a des gens qui veulent prendre des photos, ils sont en train de jouer avec le feu là. Là, tu tombes dans l'eau, t'es dans la merde. C'est mal. Elle fait des photos longue exposition. Oh, c'est trop tard. L'arc-en-ciel de fou malade, gros. Regardez-moi ça, c'est la première fois de ma vie que je vois un arc-en-ciel qui commence là et qui finit là. C'est incroyable. Oh, la cascade de fou. Putain. C'est beau, hein. Avec l'arc-en-ciel en plus. Ah ça, ah là, on y est bien. Dope shit, man. Oh, oh, dope shit, man. Look at this. C'est l'âge de glace, mec. On est carrément dans l'âge de glace, mec. Carrément dans l'âge de glace. Regarde-moi ces petites boules de glace au sol. Merveilleuses. Je m'en vais vers la cascade. Il y a un arc-en-ciel derrière toi. Oh, il est trop beau, wesh. Ouais, on le voit bien à la cam. Oh, c'est magnifique. Ok, t'es prêt? Je fonce. Allez. Oh oui, mec. Oh oui, la cascade. La vie est belle. Oh, c'est prêt, l'air est pur, là. L'air ouais, est putain de pur, mec. Il y a une petite affaire, hein. Les amis, on vient de se réveiller. Regardez ma ganache, frérot. Théma. Ils sont embourbés, on peut plus partir. Mon van, il a plus de batterie. Ça veut dire là, je le laisse allumer. Et eux, ils sont en train de renverser de l'eau sur les roues pour essayer de partir. Putain, le van, on n'arrive pas à le pousser. Il est trop lourd. Attends, venez, on essaye tous de le pousser. Oh, oh, sale chien. Mais ça ou pas? C'est des chaînes, non? C'est des pneus de neige. C'est des chaînes, frérot. Si, si, des chaînes. 1, 2, 3. Oh putain. Ouah! Putain, mon pantalon! Elle m'a niqué mon pente, frère! Ouais, je suis même moi, oh là là! Oh, j'ai le seum! Nous sommes actuellement 9h du matin, je dirais. Flash refait ses bandages. Car gars, il a mal. Grand au blessé, poignet. Grand blessé que je suis. Grand blessé. Dehors, il fait moins, je sais pas combien, et on doit faire une expédition. Excursion. Excursion. La dernière excursion, les amis. On va aller voir l'ancien volcan qui était juste ici en éruption. Et là, normalement, il reste du magma qui ont séché. Et fumant. À ce qui paraît, il fume encore. Donc, on va aller découvrir ça. C'est parti. Regardez, quand j'ouvre la porte. Attends. De marche. On est là. On va marcher là, on va monter. Et le cratère principal, il est là. Et on va voir des fumées. Ouais. Putain, ça va être lourd ça. Le vent, ça va être encore plus. Parce que de base, il fait froid, mais le vent, il te met une claque. Ce volcan, le Fragadalsjökulls, il est rentré en éruption en 2021 et ça donnait ça. Du magma en fusion qui sort tout droit du cœur de la Terre. Aujourd'hui, la lave est encore chaude et la fumée s'échappe du sol. Il vaut mieux pas essayer d'aller marcher dans cette zone. Sur le volcan, des capteurs détectent tous les petits tremblements de la Terre et plus il y en a, plus il est probable qu'il y ait une éruption bientôt. Selon les chercheurs, on entrerait bientôt dans un nouveau cycle d'activité volcanique dans les prochains mois, avec de nouvelles éruptions qui dureront entre quelques semaines et quelques mois. Donc restez branchés. Genre, l'eau chaude du robinet, c'est de l'eau de, qui existe déjà chaude. Et c'est pour ça que quand tu passes de l'eau chaude à l'eau froide dans le robinet, t'auras souvent au début,
pratique d'un petit peu, ça va souvent au début, un petit coup de souffle, on dort dessous. Maintenant, direction une source thermale. Et oui les amis, comme vous le savez, île géothermique. Qui dit île géothermique dit on peut se baigner dans la nature bébé. Donc ils ont créé une sorte de spa géant et il y a une sorte de piscine géante naturelle où il fait chaud. Bon là il fait sombre mais... Donc oh c'est stylé. C'est quoi le bruit? Hein? T'as entendu le bruit, ça fait tchum. Comme dans les... Star Wars. Wesh. En fait là, on va aller dans un endroit où tout est chaud. On va se baigner dans une piscine chaude naturelle et on pourra switcher entre le froid et le chaud et ça c'est baisé. C'est pas de luxe. Mais mon gars, on est dans Star Wars. La merde. On est dans Star Wars, frérot. On va changer là. On va avoir trop froid sans serviette. Ah, c'est baisé. Les mecs à poil là. Il y a un mec, il a un slimmer. Il a un slimmer. T'as vu le Eh, hey, t'as vu l'entrée de Zinzin? Regardez-moi l'entrée. Là, on va dans des piscines naturelles chaudes. Regardez, il y a de la vapeur qui sort. Il y a de la vapeur. Il y a un shooting photo là. Ce qu'il faut savoir, les amis, c'est que l'Islande est un des seuls pays au monde qui s'alimente à plus de 80% en énergie renouvelable. Ça veut dire que, carrément, c'est l'Islande elle-même qui produit sa propre énergie. Ici, la géothermie permet de chauffer l'eau pour qu'elle arrive directement chaude dans les tuyaux. Elle permet aussi de générer de l'électricité grâce à des centrales géothermiques. Aussi, les glaciers sont une source d'eau potable colossale, mais ils alimentent aussi des centrales hydroélectriques qui génèrent de l'électricité. Et pour finir le voyage en beauté, on est allé se détendre au Sky Lagoon, des bains chauds à 40 degrés, mon ami. Comment vous dire que c'était magnifique. Et si je devais conclure ce voyage, les amis, c'était exceptionnel. Et je vous conseille tous d'y aller. Et si j'avais un conseil, c'est d'y aller deux fois. Une fois en hiver pour voir un peu tous ces paysages enneigés qui sont magnifiques. L'Islande en hiver et l'Islande en été, c'est à une toute autre face. Il y a des oiseaux aussi que vous pouvez voir qu'en été. Bref, regardez juste ces images de l'Islande en été. Et vous avez vu tout l'hiver sur cette vidéo. Et sur ce, bah, merci d'avoir regardé la vidéo. Passez tous une agréable journée, une agréable soirée. Je vous laisse avec ces magnifiques images. Et vous êtes des cracks. Merci à vous, parce que c'est grâce à vous que je peux vivre des aventures comme ça. Ouais, ouais, ouais. Ça va bien. Ah. Eh, vous savez, c'est où le truc froid? Ouais. Ah mais on est obligé de faire ça? Je peux pas sauter direct. Ok les amis, l'eau est à 3 degrés. Dans la piscine d'à côté, on m'avait dit ça. L'eau elle est caillante, elle est naturelle, sans saveur. Donc là on va souffrir ma gueule. T'es prêt Thomas? Vas-y. Et juste sortir déjà c'est dur. Allez vas-y je le fais avec toi. Oh je pique mon corps. Ah, avec le vent c'est hardcore. Allez reste une minute. Allez encore. Une minute allez. Là ça fait 30 secondes. C'est de la mentale, c'est de la mentale. Ah, oh le vent. Laisse frichonner. Ça fait une minute dans 5, 4, 3, une minute. 3, c'est bon, c'est fini. Allez, vas-y, vas-y. Oh, 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 les amis, c'est oh, ça fait trop. C'est quoi? Laisse goûter, j'ai jamais goûté de ma vie. Bien sûr. Ouais. Non, mais un tout petit peu. Sparkling, ouais, c'est dégueulasse, mais on prend un verre. On montre les bons exemples. And one Pepsi Max, please. Thank you. Ah. Yes. Oh, j'ai eu chaud. Oh, j'ai eu chaud, du coup, je suis rentré direct, j'ai pas froid. Le plus tard possible. Ah, là aussi. Oh, non, non, c'est un problème. Oh, non. Oh oh, j'ai du froid partout encore. Oh, eh, ça fait trop de bien. Eh, ça me picole partout là.
maintenant. Alors que t'avais mal au pied là. J'avais une sensation de fou dans les pieds. Moi, c'était les mains. Je me suis gamellé. Je me suis mal au pied.